Luc chapitre 4, verset 18, 19. Luc 4. Luc 12. Juste un moment. Luc chapitre 4. Verset 18, 19. Je lis pour vous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pour faire quoi? Publier une année du Seigneur. Amen. Maintenant, m'appelle particulièrement, l'autre passage, c'est que passage ça pas gain verset que m'te besoin. Sur sa lit est en l'île pour nous, dans Esaïe 61, m'a utilisé les deux préférences, l'a fait plus sens pour me capable et faire point que n'a fait. Alors, et si que n'a continué pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour, et deuxièmement, un jour de vengeance de notre Dieu, et après, pour consoler tous les affligés. Nous gagnons trois temps ici. Nous avons remarqué bien pour publier une année de grâce. Et dimanche, là, nous avons commencé à considérer cette dispensation, la dispensation de la grâce, pour publier une année de grâce. Et deuxièmement, un jour de vengeance. Et troisièmement, pour consoler les affligés. M'a expliqué tous les trois ça vite dans un petit moment. C'est que pour publier une année de grâce, c'est cette dispensation de laquelle nous sommes présentement. Mais pour deuxièmement, pour et un jour de vengeance. Après la dispensation de la grâce, il y aura un jour de vengeance. Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous disons, a gagné un jour de vengeance. Et un jour de consolation. Est-ce que vous l'avez avec moi? M'a expliqué au trois temps ça. Premièrement, année de grâce, la dispensation de la grâce. Deuxièmement, un jour de vengeance, c'est que ça lui-même l'a pris un rapport avec la grande tribulation. Le jugement que l'Éternel va relâcher sur la terre et pour consoler les affligés, eh bien, moun qui t'a subi en pile oppression, eh bien, yo même dans le règne de millénaire millénium, eh bien, yo même y va consoler. Dans le règne éternel, yo même y va consoler. Alors, certainement, après la grâce, ça va être un jour de vengeance. Tout le monde remet grâce. Tout le monde remet piaille. À vrai dire, la dispensation de la grâce, c'est la dispensation où l'Éternel lui-même la baille piaille. Tout chèlbe d'affaire, c'est parce que nous avons dispensation grâce là. Est-ce que nous l'avons avec moi? Alors, c'est une dispensation, l'Éternel a fait des largesses. L'Éternel a baille piaille à tout le monde. Ah, c'est peut-être ça nous t'armer pour que tout le monde comprenne yon bagay. Le bon Dieu fait grâce là nous dit ou li pas gratuit. Gen yon prix qui paye pour jouer une grâce là. Parce que bon Dieu son Dieu de justice. Dans sa sainteté, Dieu ne peut pas voir le péché. Parce que bon Dieu qui son Dieu qui sait, kadosh, depuis le péché, li vle juge. Est-ce que nous là avec moi? Depuis mon Dieu, on a péché, livré, jugé. Qui ça qui a péché? La violation de la loi. Bien aimé, fais attention pour nous connaître la loi et appliquer. Parce que l'Éternel, bonjour, tout le monde qui a violé la loi, il pour payer. C'est ça qui est le jour de la vengeance. En allez. C'est que, n'a pas comprendre que l'Éternel, lui fait grâce. Lui fait grâce. Lui baille piaille. Lui permet l'homme capable. Mais c'est Jésus qui te paye. On a pour retourner ça me te dit. Nous dit dans sa sainteté, Dieu veut punir. Dieu reprouve le péché. C'est que dans son amour, Dieu fait grâce. Est-ce qu'on est avec moi? À
année de grâce soit jouie de l'IA, c'est à cause de l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas à cause de sa sainteté. Parce que à cause de sa sainteté, elle n'a pas qu'à avoir péché, elle doit exterminer tout péché et pécheur là. Est-ce que nous l'avons avec moi? Dans son amour, il a envoyé Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Eh bien, m'a dit aussi, il y a la justice de Dieu. Dans sa justice de Dieu, Dieu doit venger, doit juger le péché et le pécheur. Est-ce que vous l'avez avec moi? Elle dit que tout le monde qui a joui de grâce, Jodia, grâce la gon d'acte d'expiration. Grâce la bon Dieu baili pour nous te profiter un moment pour nous faire ça qui bien. Grâce là, c'est une saison quand on doit profiter pour faire ça que, qui fait bon Dieu plaisir. Maintenant, nous avons pour aller pour nous capables de dire que bon Dieu gon jour de vengeance. Nous allons expliquer un peu ce que c'est la vengeance. En fait, mot vengeance qu'il utilisait, c'est ekdikos. Ekdikos, ça, c'est un jour côté l'Éternel pral fait déferler toute colère. C'est que jugement li te fait tomber sous Jésus. Tout le monde qui peut profiter de grâce là pour te profiter, recevoir grâce, Jésus te poté, le salut côté que Jésus te poté, eh bien, bon Dieu pral font jugement tomber là. Maintenant, la vengeance, c'est comme d'après compréhension de Moïse dit comme ça, l'Ivle dit son règlement de compte. Vengeance, là, c'est un règlement de compte. Moun qui t'a pris plaisir, qui t'a pris pillage, qui t'a profité, qui t'a pris au libre sous grâce là, l'Éternel prend le règlement avec là. Bon Dieu avec. Est-ce que quelqu'un là avec moi? Il y a des gens qui paguent tant pour mon Dieu parce qu'il y a travail. L'Éternel a réglé avant tout. Est-ce que quelqu'un là avec moi? Parce que grâce là, mon Dieu, pas bailli pour travail. Il bailli pour régler affaire salut. Ah, est-ce que quelqu'un là suit moi? Grâce là, bailli pour régler affaire salut. Grâce la baille pour profiter de travail pour mon Dieu. Grâce la baille pour commencer à servir mon Dieu. C'est peut-être sa grâce la baille. Li baille pour régler cause. Pour ou même qui bat kon prier pour commencer à prier. Ou même qui bat kon la parole pour commencer kon la parole. Ou même qui était dans fait noir pour venir dans la lumière. Autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. La grâce est pour marcher dans la lumière. Nous allons continuer à marcher dans les ténèbres, nous allons aller tranquillement. Et Dikos, le jour, c'est un jour de châtiment, de condamnation, de peine. En fait, moi, ça veut dire règlement de compte pour avoir violé la loi. Depuis ces gens qui violent la loi, eh bien, Wabgon vengeance que l'Éternel pral faire, nous pral garder ensemble. C'est que la vengeance, c'est une peine infligée à un offenseur pour satisfaire l'offensé. Ma brodie, la vengeance, c'est un châtiment, une peine infligée à un offenseur, à un outrageur, à un violeur de loi. Est-ce qu'il est là avec moi? C'est une peine infligée à un offenseur pour satisfaire l'offensé. Alors, pour ça, Jésus vient faire là, et puis qu'on y a la ville, il vient sacrifier, faut Jésus joue une justice. Faut Jésus, Christ, joue une justice parce qu'elle fait payer prix pour le boire une chance, ou profiter de lui, ou gaspiller de lui. Jésus doit jouer une justice. Et on sait de saints dans la Bible, dans l'Apocalypse, il dit comme ça, saint, il dit comme ça, oh Père éternel, qui leur va venger sans nous. Jésus, gon leur sang doit venger. Sans te verser, moun qui coule, qui foule au pied le sang de l'agneau, ce sang sera redemandé. Maintenant, n'a pas aller pour nous capables de dire. Alors, châtiment. C'est une rétribution. Et nous t'a qu'à comprendre la vengeance, pièce moun pa gen droit faire vengeance. Pour que ça bon Dieu dit nous pas gen droit faire vengeance. Parce que c'est pas nous-mêmes qui établit la justice. C'est moun qui établit justice là.
Tendez bien, oui. C'est monde qui établit loi, qui établit justice là, c'est lui qui a le droit pour faire vengeance. Est-ce que vous avec moi? C'est pour être ça ou même ou pas le droit pour venger même son monde fort méchanceté. Ou doit le pot de plainte? Est-ce que vous avec moi? On moun parle mal ou al pot de plainte? On moun critique ou al pot de plainte? On moun fort méchanceté ou al pot de plainte? C'est peut-être ça l'Éternel dit, Deutéronome 28 et 32 verset 35, il dit à moi la vengeance. À moi appartient la vengeance. C'est moi qui leur donnera ce qu'ils méritent. À moi la rétribution, ça veut dire c'est bail à mon nom ça le mérite. N'a pas aller tranquillement. Maintenant, regardez bien dans Romains 12 verset 19, ne vous vengez pas. Ne vous vengez pas rien vous-même bien-aimé. Mais laissez agir la colère, car à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Maintenant, d'abord aller tranquillement, pour nous faire comprendre, quand on parle de la vengeance, on parle de l'exercice de la justice. On va expliquer ça, je vous l'ai dit. Lorsque vous vengez, c'est justice ou ap fait. Est-ce que vous avec moi? Le on moun fait en vengeance, c'est essayer la PCE, fait être l'injustice. Nous là. Maintenant, le yon moun, tant que le bon Dieu fait vengeance, c'est que li fait justice. On nous dit que yon moun là, gen yon moun qui fait yon gros méchanceté. Moun nan fait gros méchanceté et la pote plainte. Le pote plainte, si gen justice, doué gon moun qui fait vengeance. A dit qui exerce la justice. Maintenant, on va comprendre le mot justice. Le mot justice en hébreu, c'est ce mot tzedek. Avec dit ligon t en val, tzedek. OK? Avec yon qui à la fin. En fait, ce mot tzedek, c'est que mot ça voulait dire exactement, si on pas le comprendre, mot justice là, eh bien, ce qui, en fait, tzedek, c'est celui qui établit. Si on pas laissé Dieu est un Dieu de justice, à vrai dire, si on pas parlé de justice, le mot justice, c'est le standard de moralité. La justice, c'est le standard de moralité de bien et de mal que Dieu lui-même a établi pour lui, pour les hommes et pour l'humanité entière. Maintenant, pour recommencer, pour me capable de dire que le mot justice veut dire exactement, c'est un standard, c'est le standard de moralité, c'est le standard de bien et de mal. Ça veut dire que bon Dieu dit, mais comment ça doit être fait pour le bien? Mais comment l'elle fait tout le pas bien? Est-ce que nous l'avons avec moi? It's a standard. L'on parle de standard, gagnon baromètre gon niveau. M'a dit ou même kap tandem la, nous toutes doué konne gon niveau que bon Dieu tant nous rive. Ou capable là, li pa gen problème, pendant nan grâce là. Mais lorsque jou va arriver pour le faire jugement, faut que ou te nan standard. Faut que arriver dans le niveau que tu bon Dieu attend nous la paix bon Dieu avec. Là nous parler de standard, si on bagaille c'est comme ça doué. Le bon Dieu parlait de la justice, c'est le standard de moralité. C'est le standard que bon Dieu établit. Il dit, mais comment ça doit y être? Mais dans quel niveau tout le monde doit opérer? Et c'est peut-être ça, lorsqu'on parlait de péché, le péché c'est rater cible là. Ou tu es dans le standard ça, et puis passer ici, ou rater, ça rire le péché. Est-ce que nous l'avons avec nous? Maintenant, on va aller tranquillement pour nous établir, faire yo. La question qu'on se pose aussi, c'est, qui est-ce qui établit le standard? Est-ce que c'est bon Dieu? Ou c'est vous-même? Ou c'est gouvernement? Ou c'est l'autre monde sur la terre qui établit le standard? Est-ce que vous connaissez chaque monde qui a choisi le standard ou voulez? Gemoun qui a dit moi-même, c'est standard bon Dieu m'a respecté. Ça bon Dieu dit, c'est ça m'a battu pour me faire. Gemoun qui l'église là, il n'y a pas de pièce qui bat le standard. C'est standard pâle. Les vins de l'église, le vle, l'habillé, je le vle, les comporter, je le vle. Pas de monde qui a dit rien, il y a un standard pâle. Si on dit non, pas de doit faire comme ça, il dit non, non. Eh, fais attention. Ou pas de dire ça pour me faire. Grand monde. Est-ce qu'on est avec moi? Le sa moun sa vie non Dieu pour propre tête li, parce que c'est lui qui établit propre standard. Et m'a dit ou yon bagay,
que vous choisissez standard pour vous, que c'est Satan qui choisit pour vous, que c'est l'autre monde qui choisit pour vous, un jour, l'Éternel après pose la question, est-ce que standard pas maintenant respecté? Est-ce que nous là avec moi? Nous parler quelque part, tranquillement. Nous parler de la justice, c'est le standard de morale. Si nous parler de la justice de Dieu particulièrement, c'est le standard de moralité de bien et de mal que Dieu a établi lui-même. Maintenant, est-ce que vous connaissez gagner un standard, gagner une justice que l'Éternel établit en dans cœur tout, qui est la conscience. Le bon Dieu finit établi standard, et puis même justice, ça le finit établi, et puis le mettez en dans cœur. Quand il y a depuis ou raté standard par bon Dieu, et vous sentez que vous faites mal, ou sentez pas content. Ça veut dire conscience ou reproche. Par contre, il y a des gens qui ont conscience ou reproche dans ça là. Comme si vous faites un bagage et puis vous sentez, vous parlez mal avec un monde, après ça finalement on dit, qu'est-ce que monsieur, si on ne peut pas parler comme ça, ça relève conscience. Elle dit, c'est la justice qui est dans là, et puis qui dit, non, ça c'est pas standard ça. Ça n'est pas niveau à ça. Ce n'est pas qu'on soit doué parler, ce n'est pas qu'on soit doué comporter, ce n'est pas qu'on soit doué vivre. Alors là, on a parlé de la justice de cœur que nous relève la conscience. Il y a des gens qui ont conscience de mourir. La conscience a mouru complètement, elle fait ça qui mal, elle n'a pas jamais fait rien qui mal. Et moun sa a pour aller à petit pas dans l'enfer. Li pa jam rann. Parce que moun ki gen conscience, et si on n'a pas encore ou doit prier, dit Seigneur, réveille conscience moi. L'homme nan erreur pour me rendre moi compte moi nan erreur. L'homme nan fait noir pour me rendre moi compte moi nan pour aller. Maintenant, mais sous qui première catégorie me voulez considérer? Après dire gen deux catégories que me déca considérer. Jodi a même a considérer yon seule catégorie. Eh bien, remarquez ce que la parole dit, m'a pris un premier verset, mais ce n'est pas lui même n'a pas le considéré. Eh bien, dans Ecclésias chapitre 12, verset 14, il dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien ou mal. Bonjour, Caprivé, l'Éternel pourra relever tout le monde dans le jugement. Pour qui ça? Pour toutes sortes d'effets qui bien. Pour toute sorte, fait qui mal. Elle dit que là, elle a parlé de action, de œuvre. Nous ne pouvons pas considérer ça aujourd'hui. Elle dit, bonjour, depuis c'est sorte fait sous la terre. Même ça, moun ouais. Même ça, moun pas ouais. Même ça, moun connaît. Même ça, moun pas connaît. L'Éternel vient pour le relou dans le jugement. Elle dit, la grâce, faut comprendre ou qu'a fait sauve-le. Ou qu'a respecté standard qu'on veut. Ou à tout le monde a fait sur Facebook. Ou à tout le monde a fait sur Instagram ou pas qu'on doit faire. Parce qu'on a un standard ou le respect. Parce que qu'on est tout œuvre yo pral reler en jugement yon jour. Mais ce qu'on va considérer ce matin, ce n'est pas juste les actions qu'on va considérer, mais on va considérer ce que la Bible dit ici. Je vais lire pour vous, je vais chercher un verset tout à fait spécial pour considérer pour aborder cette partie. C'est que si n'a pas si n'a pas considéré, m'a cherché, ça qui t'a permis de nous aller plus bien pour nous capables d'entrer dans le verset que nous avons besoin. On va aller avec moi dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 35-37. On va aller là. Maintenant, Matthieu chapitre 12, verset 35-37. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Regardez bien. Je vous le dis. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au jour de la vengeance. Est-ce qu'on est avec moi? Qui laisse après le fait au jour de la vengeance. Qu'est-ce qui arrivera? Dieu, en fait, les hommes rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils auront proférée. Alors, ou pensons qu'a dit sauve la bouche. Ou qu'a parlé, j'en voulais, ou qu'a parlé de n'importe moun, n'importe qui l'a, n'importe comment, j'en voulais. Pas de pire. Rien qui arrive. Même vin dire au matin, nan jou grâce là, surveillez sa kap sot nan bouchou koun ya. Parce que yon jou que l'Éternel a prélé en jugement pour toute parole que vous prononcez. M'attendons amen. Pour que ça nous frette là.
Ok, parfait. Alors, yon jou l'Éternel a fait qui ça? La prele tout moun en jugement. Di moun bon côté là, surveillez sa kap sot nan bouchou. Tande, surveillez. Dil sa pas peur. Surveillez sa kap sot nan bouchou. Gen parole ou pa ka di encore. Gen parole ou pa ka di. M'pa wap di moun nan sa. Gen parole ou pa gen droit di encore. Car par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles tu seras condamné. Ici, ce n'est plus la grâce. C'est le temps de la vengeance. C'est le temps du jugement. Maintenant, nous allons faire un bel voyage dans la partie ça. Lorsque la Bible dit, nous allons rendre compte pour toute parole vaine. Moi qui utilisé pour vaine ici, c'est les traduits, c'est parole qui n'a pas de fondement, qui n'a pas important. Qui pas nécessaire. Est-ce qu'on l'a avec moi? Gien parole qui pas nécessaire pas doit dire. Alors, premièrement, on va considérer toute parole que bon Dieu pral reler en jugement. On va considérer sept éléments. M'a premier tout moun écrit. Sept péchés que on ka fait avec bouche là qui ka faire ou al dans l'enfer que bon Dieu ka reler ou dans jugement et juger et condamner ou tout. Alors, pendant dans grâce là, ou apprend ou fait attention. Premier péché que vous avez fait avec bouche là, avec langue là, qui est capable de voir dans l'enfer, mensonge. Écrit là, on a pour aller. Mensonge, est-ce que nous l'avons avec moi? On a pour aller. Dans Proverbe 6, verset 19, il dit, le faux témoin dit des mensonges. Le faux témoin dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. On a pour aller. Et Proverbe 19, verset 5, il dit, le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Moun kap bay menti, pap chapé en bas, mais mon Dieu. Alors tout moun, depuis l'idée de Dieu, yo bay menti. Vous comprenez moun ça? C'est que li la, bien propre, et puis qu'on y a un moun rele la, dim pa la. Ou pa ka di moun nan pa disponible nan moment? Kote so pa ka di ya? Ou pas disponible dans moment ou pas disponible pour nous parler ou après les lions l'autre là ou ben quand ça nous pas prendre habitude dire parce que gon standard que bon Dieu attend qu'on est que standard c'est vérité que lié toujours faire effort pour habituer à la vérité. Est-ce que nous avec moi pour nous prendre habitude? C'est pas parce que le patron ou même mais tranquillement bot apprendre dit vérité. Nous tous là avec moi, nous pour aller tranquillement. À nous faire un bel voyage ensemble dans Jean chapitre 8. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Il dit Satan pas jamais mais à faire vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mot mensonge, c'est le mot pseudos. Pseudos. Tant que là, en français, on dit pseudo. Là, ouais, pseudos. En français, on dit pseudos. Tant que là, c'est pseudo. Pseudo, c'est comme ça, on dit, avec un P devant. Pseudo. Mais c'est pseudo, c'est pseudos. Mot pseudos, ça, qui c'est mensonge là, eh bien, c'est duplicité, fausseté, tromperie. Est-ce qu'on l'a avec moi? Le on bagay li faux, li pas vrai, li son mensonge. Est-ce que nous l'a avec moi? Alors, c'est exactement ça. C'est, en fait, le mensonge, c'est le fait de dire des choses fausses. Le fait d'altérer la vérité, c'est que de ou twist vérité ou tordre vérité ou virer ou pas dire exactement Jean lié. En fait, gen moun qui remet dit demi vérité. L'el ou elle pas ka bay menti, il cherche une façon pour le bâton demi vérité ou sinon en moitié mensonge. Mais moitié mensonge, c'est mensonge. Parce que, et m'a pas dit, on lit même jugement pour qui ça? Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 21,
verset 8, il dit, bon Dieu dit, m'a dit, dehors les lâches, dehors les menteurs. Avec tout le monde qui a baillé menti, l'Éternel va dire, mets-toi dehors ou pas fait partie du royaume. Prends conscience, bien-aimé, et comprendre. Le homme qui a appelé à l'église ou met à la prière de pour prendre plaisir baillé menti, ou c'est moun Satan. Ah, est-ce qu'on l'a avec moi? Qui, moun qui est souillé? En d'autres termes, petite, qui est souillé? Parce que lui dit, vous avez pour père le diable. Puisque Satan remet baillé menti, ou même ou remet baillé menti tout, ou sans blague par rapport tel père, tel fils. Tel mère ou pas pagé mère. Tout, bon, à vrai dire, nous dit tel père, tel fils. Nous finissons à causer. Maintenant, n'a pour aller. Pour que nous capables de dire, dans Ephésiens chapitre 4, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Est-ce que vous entendez ça, la Bible dit? C'est pourquoi, apôtre Paul dit au peuple d'Éphèse, c'est pourquoi renoncer au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. La vérité. C'est que la Bible dit, puis nous baille mensonge. En nous gardant encore, en Apocalypse 21, verset 27, il dit, il n'entrera pas rien de sou, chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Moun qui livre au mensonge, lui-même faut comprendre que même non, moun ça pas écrit dans le livre la vie. Est-ce que nous là? Amen. Même non, moun ça pas écrit dans le livre la vie, n'a pas aller tranquillement pour que nous capables d'établir feu pour nous-mêmes. Colossiens chapitre 3, verset 9, il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Et vous en êtes étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ou t'es qu'on va mentir vrai longtemps, apprendre dit vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou nous t'es qu'on va mentir, il était correct lorsque nous étions dans le monde, mais qu'on y a pour nous apprendre dit vérité. Attendez, l'heure n'a ténèbres, mais ça, car le fruit des ténèbres consiste, en fait, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. L'heure où monde n'a lumière, ou dit vérité. L'heure où n'a ténèbres, ou bah menti. Est-ce que là avec moi? C'est peut-être ça, fait pile attention pendant la grâce là, pour pas qu'on nous apprenne dans le ciel. Si on prend plaisir, bah menti. N'a pas aller tranquillement. C'est que nous parler premièrement de mensonges. Alors, gros mensonge tout en pile chrétien fait, même dans la prière. Ou imaginez, même bon Dieu va y mentir qu'on y a. Est-ce que nous là? Qui ça nous dit? Même bon Dieu qu'on y a, tombe en bas mentir tout. Et maintenant, Ézéchiel, en fait, dans Ecclésias chapitre 5, n'a pas gardé, on va raconter bon Dieu, dit, pas bon mentir s'il vous plaît. Si n'a pas fait prière nous droite. Eh bien, regardez bien ce que la Bible dit, Ecclésias chapitre 5, verset 2. À 5, d'amé pour nous chercher pour moi parce que je n'ai pas reste information. Reste là pour moi. Il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Là où tu viens prier, où tu viens contre mon Dieu, fais attention pour ne pas tomber, dis trop de paroles. Alors, ou bien mon qui te connaît tellement excité, yo, 10 paroles devant à bon Dieu. Oh Seigneur, si vous faites ça pour moi, mais qui ça me prend le faire? De vous faire ça, m'a fait ça, de vous faire ça, m'a garantie. C'est le premier monde qui a vint l'église, qui a servi, m'a servi toute la vie, m'a jamais empêché encore. Faire attention. Par contre, dans des chrétiens comme ça, yo a un zèle, il a prié, oh Seigneur, m'a prend le faire. Yo pas fait rien. Et en pile la chita là, je dis. En pile chita là, je dis, Seigneur, l'offre femme voyager, ça me prend le fait pour vous. Ma baye dîme, ma baye, c'est premier monde qui a baye dîme, c'est premier monde qui a venu ouvrir l'église là. Mensonge. Nous m'a connu quelques monde comme ça. Nous m'a connu tant de quelques prières comme ça. Mais l'en garde nous, nous n'a pas fait rien vrai. Et mais bon Dieu dit, yon jou, parole sa yo, m'a régler avant pour yo. On nous aller. En fait, nous parlons de mensonges. Et si nous t'avons un peu plus loin, nous t'avons même pas prêté trop, n'a pas aller. Premièrement, nous parlons de mensonges. Deuxièmement, n'a parlé de vaines paroles. Deuxième péché, bon Dieu pral juger moun pou li. Vaines paroles. Lorsque n'a parlé de vaines paroles, n'a parlé de plaisanterie.
chrétien fait ça en pile. Faut celle de plaisanterie. En nous lit avec moi. En nous lit avec moi. M'a lit pour dans Éphésiens 5, verset 4, il dit qu'on entende des paroles. Et qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Ni paroles déshonnêtes. Ni paroles insensées. Ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je vais le lire en créole. Éphésiens 5, verset 4. Si nous avons en créole, nous allons aller. Nous allons aller vite parce que nous avons un bel voyage devant pour nous avancer. Nous aller vite, en créole. Est-ce que vous avez un monde qui est ou mettre l'île pour moi, juste répéter. Allez, allez toujours. Ça pas bon en plus pour nous quitter gros mots, paroles sans sens ak mots sales sorti dans bouche nous. Bagay comme ça pas d'accord avec ça nous y est. Au contraire, c'est pour nous la prière pour nous dire bon Dieu merci. Parfait. Alors, li di piga gros mots. À vrai dire, gen moun ki utilise moté ou ici au Québec yo utilise moté ça. Nous là qui gonté la donne. Frère Naemi kon ki mou ki nou la di. Vous comprenez? OK, parfait. Gon mot. Mais lorsqu'on en France, yo même yo utilisé ces deux mots p. Vous comprenez? Yo utilisé p. C'est ça li comprendre de ça n'a utilisé. Là États-Unis, yo utilisé F word. Est-ce nous là? Chrétien fait? À vrai dire en France, c'est comme une impression moun yo ka l'église bi yo ka dil. Yo utilisé mot p facile. À vrai dire, nous tellement senti nous à l'aise, nous pensons qu'a dit toute bagaille. Est-ce qu'on connaît même insensé la Bible dit pigodi moun? Pour dire moun ou fou. Est-ce que nous là? La Bible considère moi ça sont de paroles vaines ou pas doué dire. Yo pas gain place, yo pas gain raison pour dire. Même sou ou moun agit tant moun fou. Pas dire fou. La paix, bon Dieu, avec vous. Peut-être que vous avez dit, vous avez dit, alors, à nous, sérieux. C'est que, bien aimé, bouge ça. Et c'est ça qui pourrait le permettre, la loi de la confession, là, utiliser la puissance dans le monde spirituel, parce que vous utilisez pour bonnes choses seulement. Ou pas apprendre by pa, dix paroles vaines. N'a pas aller tranquillement. C'est que Proverbe chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Bien-aimé, mais ça que m'a dit au matin. Nous parler trop. Gen quelques fois rele moun nous pas gagné pour dire. Sou pa ka pri avèl al fè ou tout raccroché. La paix bon Dieu avèl. Parce que lè nous parler en pile, nous péché en pile. Parce que getan, ou imaginez, et en pile fois lò péché comme ça ou pas al mande pardon. Parce que ou pas mesuré soit di yo. Et bon Dieu, lè a gardé dans baromètre là, li wè toute parole yo pas arrivé dans standard. Alors c'est peut-être ça m'a dit ou parler trop. Ou parler trop, dis-moi parler trop, faut me quitter. C'est où pour dire ou me dit ça. Ouais, faut me quitter. M'parler trop, m'doit parler, l'aime gen besoin. Dis ça à tête ou moi parler trop, moi doit apprendre parler, l'aime gen besoin. Si m'pa gen besoin, moi pas parler, faut m'apprendre ça. La paix bon Dieu avec maîtrise de soi. Li commencer dans bouche là ou pas dire n'importe qui parole parce que ou doit gen contrôle li. Pour aller. Jacques 3, verset 2, il dit, nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Depuis, on ne peut contrôler la parole, il ne peut pas dire n'importe qui parole, son monde solide, tout bon, et c'est une preuve de maturité.
Dans Psaume 39, David a parlé, il dit, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma bouche. Je mettrai un frein à ma bouche. Gen bagay, ou ça sous la tout. Ou pas dit ça là. Ou pas dit ça là. Ou pas dit ça là. Gen parole, ou pas entrer là dans là. Gen histoire, pas qu'a dit encore. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants. Tite 3, verset 9, 11, il dit, mais évitez les discussions folles. Bon, c'est des discussions parfaites avec moun. Gen moun qui fait discussion pour match, yo joure, yo fâche, yo bagay, fais attention. L'autre chrétien pas fait bagay comme ça. Est-ce qu'on l'a avec moi? Ou cap dialoguer, mais ou éviter au maximum pour pas faire discussion folle. D'ailleurs, la Bible dit ça. Et pas même faire discussion, même à propos de la Bible. On sait de discussion qui pas gen place. N'a pas aller. Éloigne, regardez bien ça qu'il dit, ça que lui dit. Il dit évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles contre, les disputes relatifs à la loi. Ça veut dire que à la parole. Conseil de discussion, pas besoin de faire avec moun, soit faire la parole même. Est-ce que nous l'avons avec moi? Car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi. Après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, des pour ces moun qui tombe à parler sous de l'autre moun, à faire division, paraît de bord contre moun comme ça. Parce qu'on jugement qui a privé la pontou. Bon Dieu raté Araon parce que l'Alna complote avec Myriam et puis il a parlé mal de Moïse. Relève Myriam et dit, qui est-ce qui m'a droit pour parler comme ça? Son serviteur. Alors, en pile fois, nous pas mesurer parole n'a dit de moun. Mais gen moun qui gon alliance avec bon Dieu, et puis ça, bon Dieu même, ou vine en contravention. Il dit, sachant, regardez, moi, il dit, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. Et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Moun kap fè fòm bagay sa yo, yo di ou kon sa son moun ki pervers. Moun ki reme gen parol ou moun nan reme pale trop, et bien kon yo red loin pa son moun ki pervers. Bon, gen yon parti m pa antre la dan, puisque m ta reme ale la. Et de 2 Timothée 2, verset 16, 17, li di evite les propos inutiles et insensés qui ne font qu'entraîner un comportement encore plus impie. Des paroles ou dit les propager tant qu'au cancer, lui fait mal à tout ça qu'il trouve là-dedans. OK, nous sortis premièrement nous parler de yon un péché qui capable faire moun al dans mon Dieu juger c'est qui ça? Mensonge. Deuxièmement, ça qui capable faire mon Dieu juger c'est vaine parole. Troisièmement, ça qui est capable de faire bon Dieu juger c'est critique. M'a expliqué ça me voulait dire l'homme parler de critique. Gemon qui a dit oh non, critique constructive bah comme ça. N'a parlé de critique. Critique que n'a pas utilisé ici ça, c'est un jugement défavorable porté sur quelqu'un en faisant ressortir ses défauts. En faisant ressortir ses erreurs. Ça c'est critique négative là que lié. Elle dit que depuis où homme ou son monde kabat pour juger moun ou apporter yon message défavorable sou moun et puis pour faire sortir défaut moun comme si l'autre fait défaut sortir qu'on y a ou même ou paraît plus bon. Avant nous moun comme ça l'église comme si yon moun est souvent là où on moun a bat pour rabais son moun c'est parce que l'en bas la fort descend vinn joine li. Alors moi ta remet chaque moun qui l'église va comprendre ça. Gen moun ka pral fè pa fè ça, yo toujours gon critique que y a fait sou moun. Yo toujours gon bagay yo pa remen. Ou pa konwa moun ki l'église et c'est pharisien l'église qui fait ça seulement. Moun sa li toujours gon bagay ki parle bien. Jésus guérit un moun. Oh mes amis, pour que ça c'est dans jour sabbat que Jésus ouais pour ka vinn guérir moun. Mes amis, gen pitié au moins, moun nan fait 38 ans. Nous là, c'est que grand pile moun qui comme ça, depuis on bagaille bien fait, li critique le pareil.
Maintenant, Jésus a chassé des démons. Pharisiens dit, c'est Belzébul qui est dans la tête de Jésus qui fait que l'a chassé des démons. Grand pile chrétien, yo pas qu'à pas critiquer. Gon jugement sans précédent qui sont moun sa yo. Ou pas comprendre comment un ministre a opéré ou gardé sur Facebook ou web gon bagay, pas entrer critiquer. Père mon Dieu, en pile critique yo crasé l'église Jésus, en pile critique yo fait moun pa ka vin l'église encore. Kon y a c'est sur Facebook ou toujours à critiquer. Tout ça ouais. Ou pas qu'à parler bien, pas parler dans le monde. Ou de qu'on y soit pasteur Amel, pas entrer dans cause de ça. Ou pas qu'à prier, sou pas qu'à jouer le monde pour exhorter. La Bible dit, lorsqu'on veut exhorter le monde, relèl, palavèl, corrigèl. Ou pas qu'à faire ça, pas parler dans le monde. La paix, bon Dieu, avec. Année 2023, tout le monde règle la paix pour. Ah, ils ont donné samedi là. Année 2023, tout le monde occupé de à faire part. Ou il y a trois problèmes pour régler parce qu'on a un nom pour sauver, un ciel à gagner et yon l'enfer à éviter. Occupé de à faire part. Ou pas comprendre qui ça t'a fait pour pasteur Grégory. Occupé à faire part. Ça n'a pas servi ou rien. Et pas Montréal ou yé. Ça va le faire juste Miami. Et, il y a un peu plus grave, les gens ont critiqué depuis que les gens fait ça qui bien le parle. C'est que les gens ont un problème, c'est ça qui mal seulement. Hein? Tant de ça, mon Dieu dit, par rapport à monde qui consa, dans Jacques chapitre 4, verset 11, ne parlez pas mal les uns des autres. Pas tomber parler l'autre mal. Des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Toi qui juges le prochain. Ou pas là pour venir juger moun. Est-ce qu'on est avec moi? Ou pas là pour juger moun. Matthieu 7, verset 1, il dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. La loi de la réciprocité. C'est que sauf faire la tourne vin joindre nous. Amen. Attention nous là avec moi, sauf faire la tourne vin joindre nous. Ou a parler sous deux moun, ou a critiquer et puis qu'on y a ou a prier avec. Et qui t'aime dire un bagage, même moun qui a critiqué pasteur Grégory, l'elle a prêché, il a dit bon amen et il a édifié. L'a fait gros prier tout moun nan prière. Mon Seigneur délivre-moi. Et puis qu'on a même mon ou a critiqué a ou besoin prier nan mel. Ah, pas normal, il pas normal. Ou pas cap critiquer pasteur Richard et vous besoin pour le prier pour vous-même. Mais juste pas fait sens. Ou a critiqué à joindre l'autre monde. À joindre monde qu'on pas critiquer parce que et c'est ça qui vient de là fait que bénédiction par traverser à joindre pièce monde. Est-ce que Jésus t'a fait un bagaille pour moun Nazareth yo? Non, parce que yo critiqué Jésus toi. Est-ce que gon pharisien qui te recevoir guérison, qui te recevoir délivrance? Non, parce que t'a critiqué toi. Pas gon blocage qui fait grâce bon Dieu par traverser monde qui critique. Grâce bon Dieu pas privé sur la joindre tout monde pas ou même. Suspend critiquer. Et moun qui remet critiquer, pas gen moun pas ka fait bagay la comme ça. Li pi mal. Ke n'importe ça qui doit faire dans le pap ka fait, mais la critiquer moun ka fait. Ah, li pap vin l'église abonné, mais la critiquer tout moun qui vini. Et puis qu'on y a, yo vini pour qui ça, yo pas de faire ça, pour qui ça pas de gen ça l'église là, pour qui ça pas. Côté ou même ouye. Ouais, ou te voulez pour son l'église qui a la prière, pour remplir du Saint-Esprit, depuis tout le monde venu, rempli, guéri. Mais qui moun qui prie pour l'église? Est-ce qu'on fait? Moun qui a critiqué, pas j'aimerais même mettre main dans la patte là.
régler le problème moun k'ap critiquer. Et peut-être ça bon Dieu réserve un jugement spécial pour moun ça parce que c'est lui qui a crasé l'église de Jésus-Christ, a fait moun aller dans l'enfer avec bouche li. N'a pas aller. Quatrième catégorie moun que bon Dieu va gagner pour gérer. Eh bien, c'est les en fait moun k'ap fait et k'ap fait commérage. Moun k'ap qui c'est rapporteur. Vous comprenez? Là on a parlé de commérage mot ça, li son bel mot qui fait qui c'est que ça c'est yon moun k'ap divulguer secret. Ça veut dire que yon moun qui fait commérage son moun qui gon information que le connaît. Et souvent son information qui verrait. Est-ce que vous avec moi? Moun qui fait commérage, li konn vérité. Mais li même li pa ka kembe vérité. Li pa ka kembe secret. En fait, c'est diffuseur de rumeurs tout. Moun sa, li ka seulement ouè deux moun ensemble, li dit waouh, monsieur, m'sot ouè moun sa yo ensemble là. Pas fouti pa gon bagay là. Et puis le temps, parole là, al nan zoye yon lot moun, et puis il dit mes amis, m'sot ouè frère à frère avec soeur, moi yo main en main, moi yo bouche nan bouche tout bagay. L'autre la pat dit ben nan main bouche nan bouche, mais parce que yo vin raconte le sal, mette piment, li met piklis la dan. Moun ki remè fè commérage, c'est comme ça yo. Et que yo mette yo taillon bagay bien bel et fè le parel bel. By the time moun sa fin di sal di ya, lot moun getan pral, et puis il bayon lot tournure encore. Koni ke se ou même qui cause li. Gen mariage qui krasé se bouche moun ki remè fè commérage. Rapporteur. Suspend ça. Ça détruit mariage, li détruit l'église, li détruit famille, li détruit société. Jésus dit quittez ça. Parce que bonjour m'a jugé, je dis à pas de jugement, mais bonjour m'a jugé tout le monde qui t'a fait ça. C'est que monde qui remet fait ça, lui-même li pa wè, li parle. Li wè, li parle. En d'autres termes, l'a cherché qui bog des informations. Vous voyez des critiques là, il y a cherché information. Yo vin là c'est pour il y a cherché qui bog des informations parce que folle gon parole là raconter. Ouais. Sous son CIA à l'États-Unis. Proverbe chapitre 16 verset 28, il dit l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Moun ki remè rapporter bagay ki sa le fait, li divise moun. Gen moun comme ça, yo krasé l'église. Gen l'église ou wak pa ka gen moun, c'est bouche moun qui fait ça oui. Et li pa besoin 50 000 moun, on seul moun. Ou imaginez, ça Satan pa ka fè, bouche rapporter a ka fè. Satan ka pa ka krason l'église, mais rapporter ka krasé l'église. Jésus dit m'a règle ak moun comme ça. Et peut-être mon absurde. Et puis Gorab dit ah, m'songe au monde qui comme ça oui. Comme si on a réfléchi à l'autre monde, pense à vous-même d'abord. Est-ce que nous là avec moi parce que il y a monde qui toujours pense à l'autre monde qui ouais. Elle dit ah, OK, ça passe dit à correspondre à tel monsieur. Non, pas le pas chercher l'autre monde. Pas aller loin, rester tout près là. Est-ce que là avec moi? Amen. D'accord ça. Et alors il y a deux bagages à considérer, le rapporteur et l'écouteur. Ça me le dit pas là. Gayon moun kap rapporté kal di mon go moun ki chita tande. Pa konn gen moun yom nan an go bay wap din et puis la cherche chaise ba. La cherche chaise pou chita pour et puis konn ya li di pas dim non et puis konn attendez. Konn ya di et puis konn ya di pas dim non, c'est vrai. Ou quoi c'est vrai? Ou quoi t'a fait ça vrai? Et puis la parole a bay. Voilà. Alors, ça qui doit dans toute histoire, ça, c'est que les gens ont rapporté l'histoire, et puis, plus ou montrer ou intéresser, li bay plus. Même les pas encore pour le bail, ils continuent à bail pareil. Est-ce que nous l'avons avec moi? Ça veut dire que finalement, moins comprendre ni rapporteur là, ni écouteur là,
Eh bien, tout le monde sa yo, nan même bateau, parce que yo tout toléré ça pas bon. Pour qui ça le monde nan vin tout ça? Il dit, ah, mon chè pa aller dans la direction ça, non? Ça, ça rele commérage, oui. Ça rele rapporteur, oui, vous comprenez? Bah, qui te m'zou, ou pefe qui moun nan pou dil ça? Mais l'autre dit ça, là, va sauver la ville. Qui te m'zou, ou kon, qui moun qui fait toujours ge commérage, ge moun kap koute ya? Le moun nan vin tout là, dit non, pas fait bah comme ça. Ou a craser l'église de Jésus-Christ. Ou a détruire l'église là. L'église là, c'est nous, nous tous. Nous, mais toute partie, nous chaque jouer un rôle. Mais si vous crasez yon, c'est nous tous ou craser, même si vous ne comprenez pas ça. Pas faire bagaille comme ça. Est-ce que nous comprenons comment ou faire moun suspendre faire ça? Dis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Souvelez pour ça résoudre. On a le côté pasteur ensemble. La dit, moi-même, papa. Moi-même, papa, ou voulez m'en compte, ou voulez m'en zé, bon ou déjà dans zé, en aller. En aller, quand pasteur pour nous faire ça, suspendre, je dis. Depuis tant d'on parle de pasteur à mon nom, depuis ou tant de paroles. Il dit, moi-même, ou voulez mettre m'en zé, eh bien, prends-moi, traîne-le, dit, n'a pas le coup de pasteur là, je dis. N'a pas fait ça, suspendre. Ou après le pas, je me fais ça. Elle dit que, écoutez, c'est mon qui pique grave là. La consommer. Et l'elle vient consommer, elle a rapporté le tout lui-même. Ce qui est une catégorie, moun bon Dieu après le deal avec yo, c'est médisant. Moun qui médise, qui fait médisance. Ah, en fait, mon médisance là, c'est action de dire du mal. C'est action de dénigrer quelqu'un. En d'autres termes, médisant son moun qui mord moun sous dos. C'est que moun sa fait diffamation. C'est que moun qui m'entendait, moun qui me disant, en fait, c'est moun sa li gen des paroles malveillantes. Mais ça le dit yo, yo vrai. M'a expliqué ça me dit là. Comme si li dit bagay avec méchanceté, mais ça le dit, c'est en vérité que le dit, mais li dit vérité avec yon méchanceté. Li ka konon bagay don moun, li dit, mais le dit non. Ils n'ont intention pour le faire mal à qu'on moun. Est-ce que nous comprenons? C'est que moun qui me disant, c'est que li kon en vérité, ça le pral dit à son vérité, c'est pas un mensonge. Mais cependant, li dit, non intention pour le faire tort. Ça, c'est médisance. Maintenant, la Bible parle, en fait, et moun kap fait médisance, li par et me dit, rien devant moun nan lèl la. Le moun nan la? Non, non. Il va parler. Au contraire, il va mon accolade. Ouais, il va mon accolade. Et puis, qu'on a l'air viré. Et puis, bâton. Alors, ça fait en pile l'église. Et c'est peut-être ça, en pile le monde qui prend dans le ciel. Il a prêté à cause de ça. Parce que nous crasons pile l'église à cause de ça. Et nous passons pile côté, nous faisons même dégâts. N'a pas aller, n'a pas aller. On nous avance pour nous parler, pour nous dire qu'on que. Et Proverbe 14, verset 5, il dit, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Alors, on a continué, et c'est que on a pour aller pour nous capables, à vrai dire, pas prendre trop de temps, et nous capable de parler de médisance. Dans titre 2, verset 3, il dit, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante. Gen moun depi yo l'église. C'est bon dame missionnaire. Remè bon Dieu parce yo pa gen. Remè la prière parce yo pa gen. Mais médisant, ça c'est ça yo fait. Ça c'est job ça yo gen l'église. Et gen di yo, travail ça c'est pour Satan a fait. Ou ap font travail pour qui est son Dieu? Satan le diable. C'est que ou pas mêlé nan médisant, ou pas rele moun raconter histoire. Depi calculer quelques moun l'a parle avec yo c'est sous dos on l'autre moun yoyé dit moun ça me pas parler avec encore comment c'est calculer quelques moun on va faire quoi oui comment au contraire quelquefois planifier même retirer téléphone ça et bloquer moun ça on mettre bloquer mbo doit mettre bloquer moun ça chercher moun cap la prière moun cap menon dans ciel. C'est ça l'église besoin dans saison ça. En fait, apôtre Paul dit, 1 Timothée 3, verset 11, il dit, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes.
Alors, apôtre Paul comprend que les filles auraient mis ça en pile. Et bien, moi, je dis non, bon, il parle de filles plusieurs fois là, même côté. Là, bon, garçon fait le tout, mais bon. Alors. Maintenant, on apprend le sixième élément parce que nous devons terminer. Sixième péché que le monde fait avec bouche, qui amène en enfer, c'est calomnie. Proverbe chapitre 12, verset 22, il dit les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Elle dit, bon Dieu, raï moun ki a bay menti. Eh bien, yon moun kap calomnie. La calomnie, c'est le fait de proférer des critiques injustifiées. Ou pas qu'à justifier. Mon dit quand même. Des critiques injustifiées et mensongères. C'est que moun ki remè fait calomnie, moun ki rapporte là, li dit vérité. Mais li dit non, intention pour le faire mal. Moun ki fait calomnie, c'est un moun ki baye, c'est mensonge li baye. Son bagay li fabriqué pour le faire mal aussi. Est-ce que nous là avec moi? Est-ce que nous faisons différence entre deux ça yo? Rapporteur a son vérité le connaît, la porter là aller. Mais cal, moun ki calomnie, c'est un moun ki forger parole. Ou sinon, li pas justifier information et puis qu'on a li al porter là aller. Là dit mais na intention pour le faire mal pareil. En d'autres termes, la calomnie, c'est une accusation grave, volontaire, volontairement mensongère. C'est que moun nan intentionnellement font menti. Pour le dire parole mal, portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. N'a pas aller. Exode 20, verset 16. Tu n'en porteras point de faux témoignages contre ton frère. Nan dit commandement, l'Éternel dit, yon nan commandement, pas porter faux témoignages sur l'autre monde. Ou pas toi, ou pas gen validation de ça, pas dit. Oh, c'est un moun qui te dit, est-ce que ça moun nan te dit là, t'es vrai? Est-ce que ou même ou te valide? Pas rapporter bagay comme ça. Alors, n'a pas continué pour nous avancer et terminer. Proverbe, 13, Proverbe 11, verset 13, il dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Maintenant, n'a pas avancé. Pendant n'a pas avancé, c'est que apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Calomnie pas doué dans mi-temps l'église. Calomnie pas doué qui va nous dire dans mi-temps l'église. Parce que nous sommes frères les uns des autres. Jacques 3, verset 14, il dit, mais vous avez, si vous avez et dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Maintenant, pendant qu'on a terminé avec septième point, ça, eh bien, il y a une chose qui a fait mon aller juger aussi, c'est paroles grossières, paroles, en fait, des railleries. Ou a passé moun nan bêtise. Comme si ou a moun nan pi bake ou, et puis ou a passé l'nan bêtise. Alors ou pa koun moun sa nan, ou ka ou moun sou Facebook et pou a dit des choses contre lui pour dénigrer. Ou a raye, ou a passé l'nan bêtise, ou a fait blague sou li. Bien aimé. Des railleries. Quittez-moi dire, ouais. La Bible dit qu'on n'entende ni parole grossière. Éphésiens 4, 5, verset 4. Éphésiens 5, verset 4, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos stupides, évoque ou équivoque. En fait, la Bible dit qu'on s'accue à Timothée que personne ne méprise de ta jeunesse, mais soit un modèle en parole. Elle dit, faut parole ou contrôler. Faut le moun ou parler pour moun nan ouè son moun qui gen contrôle parole. Qui pa dit n'importe qui bagay et pa mêle n'importe qui a parole, n'importe qui histoire. Alors, si n'a parlé pour nous terminer, nous disons comme ça que chrétien gen pour juger yon jour. À propos de tout ça qui sorti nan bouche li. Alors, si gen l'autre bagay encore pour capable mettre de côté, parole de malédiction. Jou dit des choses pour malheur rive moun. C'est pour tel bagay arriver tel monde. C'est pour tel bagay arriver tel monde. Non, pas faire incantation. Pas faire bagay comme ça. Pas prononcer malédiction. Même soit prononcer contre moun nan a tourner contre vous-même. Ou a koun a gen moun kap parler mal contre l'autre famille
famille l'autre monde, l'a fait ça, l'a retourné vin joindre nous. Tout ça ou semer ou a récolter le quand même. Maintenant, m'encourage au semer de bonnes choses. Ou même qui voulait avancer dans la foi. Ou pral besoin pour un temps pour demander mon Dieu pardon. Même si ou pas fait péché dans premier point, mon ka fait dans deuxième. Si ou pas fait dans deuxième, non, ou gen le fait ou ka fait dans troisième. Non. Alors nous tout pral pour un temps pour demander mon Dieu pardon pour ça. Et puis dorénavant, mais qui soit pral fait, depuis yon moun vin relo pour pas l'avant, dit levé mro, mettez m'ba. M'pa mêlé. M'pa mêlé, a fait ciel m'a réglé. Est-ce que nous là avec moi? Acclamons le Seigneur pour sa grâce et nous prions le prier pour nous capables de terminer.